Bonjour les amis, bienvenue sur Next Generation. Alors, aujourd'hui, nous allons trouver Iman Bisha. Elle va nous interpréter une chanson très connue, Fly Me to the Moon. Alors, pour ceux qui savent, j'ai une autre chaîne YouTube entièrement consacrée à Angelina Jordan, qui, lorsqu'elle était petite, chantait admirablement cette chanson. Et cette chanson, elle est de 1954. 1954, l'année de ma naissance. Voilà, comme ça vous connaissez mon âge. Et c'est 10 ans plus tard que Frank Sinatra l'a enregistrée à son tour. Il faut savoir d'ailleurs que cette chanson, au départ, ne s'appelait pas Fly Me to the Moon, mais In Other Words. On retrouve d'ailleurs dans le texte de la chanson. In other words, littéralement, c'est en d'autres mots. En français, on dirait en d'autres termes. C'est lorsqu'on exprime une idée et qu'on utilise d'autres mots pour reformuler l'idée. Et c'est une anecdote que j'ignorais, que j'ai apprise récemment. Donc, elle est accompagnée ici par un musicien, chanteur et producteur qui s'appelle Rami Rice. On va d'ailleurs regarder sur la vidéo tout de suite. Ce musicien est jordanien. Alors, évidemment, pour ceux qui connaissent Iman et son histoire, ils savent qu'Iman a des origines jordaniennes par son père et américaines par sa mère. Voilà. Cette demoiselle a d'ailleurs été reçue et a déjà chanté devant le roi Abdallah de Jordanie. S'il vous plaît. Lequel roi d'ailleurs vient d'être reçu récemment en France par le président Macron. Bon, passons. Mais voilà. C'est un pays qui a beaucoup d'importance au Moyen-Orient, la Jordanie. C'est un pays qui a un rôle d'équilibriste un peu, hein. Et donc, Iman retourne régulièrement en Jordanie, où elle a l'occasion de chanter devant la cour du roi, où elle était fort applaudie d'ailleurs. Et elle vit aujourd'hui en Floride, avec ses parents. Son papa tient une entreprise de glace à manger. Rappelez-vous cette scène mémorable lorsqu'elle apparaît pour la première fois sur le plateau d'AGT et qu'elle explique cela. Et une fois qu'elle a chanté, il y a Simon qui dit que certainement son père doit fabriquer des glaces magiques, en quelque sorte, pour avoir une fille qui chante aussi bien. On lui demande d'ailleurs ses parfums favoris. Bref, j'arrête de parler. Fly Me to the Moon, ça m'intéresse d'entendre Iman interpréter cette chanson, car la voix d'Iman est extraordinaire et je suis impatient de savoir ce qu'elle en a fait. Allez, on l'écoute, Iman. Stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Elle a carrément ralenti le tempo. C'est très bien. C'est doux. Plus la guitare à côté. Ça me va bien. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me
beau ça. C'est magnifique, magnifique. Alors, déjà, cette chanson, je pense que c'est l'esprit de tous les chanteurs. Laissez-moi remplir ma vie avec la musique, avec la chanson. Laissez-moi vivre ma passion. Hein, c'est ça. Et j'ai repéré quelque chose que vous avez dû aussi repérer. Elle a changé un mot. You are all I worship and adore. Normalement, c'est ce qu'on entend. Et là, elle dit, je vous laisse écouter. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song. And let me sing forevermore. You are all I long for, all I treasure and adore. All I treasure and adore. Alors, all I treasure, ça veut dire chérir, c'est le verbe chérir. Et adore, bon, c'est à peu près la même chose. Mais si c'est volontaire de sa part, c'est bien d'avoir amené une petite nuance personnelle, petite touche personnelle. Et puis, I treasure, c'est très joli à entendre. C'est plus joli que I worship. I treasure. J'aime beaucoup ce mot, ce verbe. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tous les cas, si quelqu'un d'autre l'a déjà chanté avec ce mot-là, je n'ai jamais entendu. C'est la première fois. I treasure. J'essaierai de le replacer. You are all I long for. All I treasure and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. J'aime bien le petit coup d'œil qu'elle a lancé au musicien. Quelle délicatesse dans la voix, quelle grâce, c'est reposant, c'est zen. Superbe, superbe Imane. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I treasure and adore. In other words, please be true. In other words, I elle ne pousse pas la voix dans cette chanson. Et pourtant, elle assure cette note cristalline, un peu comme une voix de tête, hein. C'est compliqué à tenir les petites notes comme ça sans y mettre de la puissance, sans que là, y a un risque toujours lorsque vous ne poussez pas trop sur la voix que la note se brise. Hein. Et là, ça passe super bien. Qu'est-ce que c'est joli. Très, très joli.
On croirait un ange qui chante. On va se repasser la fin, c'est trop beau ça. Petit vibrato. Beaucoup d'émotions hein, dans cette chanson. Beaucoup d'émotions. C'est Imane comme on l'aime. Là, elle a 12 ans. Elle a aujourd'hui 15 ans, Imane. Elle a 12 ans, donc il y a 3 ans. Mais elle avait déjà, pas depuis toujours, je pense, cette voix comme ça. Elle est capable à la fois de lancer un air d'opéra avec de la puissance et en même temps de prendre comme ça son temps pour chanter, pour poser les notes et puis pour, pour vous amener des frissons sur les bras. Bravo, Imane. Bravo, bravo. Elle se fait un peu discrète en ce moment. De temps en temps, une petite courte vidéo. Sur les réseaux sociaux, mais on aimerait bien quand même la revoir un peu plus sur scène. Voilà, c'est son choix, c'est sa vie, et elle a peut-être raison de prendre son temps. J'espère franchement que c'est ce chemin de la chanson qu'elle prendra, parce que ça lui va tellement bien, tellement bien. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur la chaîne d'Imane. Je mets le lien dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, Next Generation. Et puis un petit pouce si vous avez aimé. Voilà. Imane mérite vraiment qu'on s'attache à elle. Moi, ça fait plusieurs années comme ça que je la suis à chaque fois, c'est un grand plaisir de l'entendre, de l'écouter. Pardon si j'ai parlé un peu sur la vidéo, mais c'est aussi que doivent faire les gens qui réagissent, non? Donc, le lien de la vidéo sera bien sûr dans la description. Vous pouvez écouter Imane sans perturbation. Voilà. Merci d'avoir écouté. À bientôt. Au revoir.